Tiens, vous revoilà. Bon, bah, on y retourne. J'espère que je vais pas être interrompu encore par un neuneu. Alors, pour la petite histoire, il y a des gens qui se prennent pour des joueurs dans Ingress. Et puis, les mecs, ils se disent, c'est rigolo d'attaquer tout le temps les mêmes portails et puis de rester 45 minutes dessus. 45 minutes, il a fait le gars. Alors, moi, j'étais au balcon, je fumais ma clope, je le regardais, je l'ai filmé. Et voilà, tous les jours, on a le même genre de neuneu, quoi. Le mec sait très bien qu'il y a un joueur sur ce portail, mais non, il faut qu'il vienne, parce que il faut qu'il vienne, il a que ça à faire dans sa pauvre non-vie. Je l'invite à suivre la chaîne et essayer des jeux vidéo, ça pourrait le changer, c'est peut-être plus facile pour lui, parce qu'apparemment l'effort, il y en a beaucoup qui arrivent même plus à marcher à Hey pied, quoi. Virgil, your portal opening days are over. Give me the Emilio. If you want it, then you'll have to take it. But you already knew that. I had a feeling you'd say that. Rock and roll. How many times have we fought? Hard to say. It's the only memory I have of us since we were kids. Time to finish this, Virgil! Once and for all. I won't lose to the likes of you. Tu n'as pas le droit de faire ça. Non! Et j'en suis qu'au tiers de sa barre de vie. Ça va me coûter cher cette affaire, je sens. Come on.
Putain! Qu'est-ce qui me met? What? Je me fais défoncer. Sortir. Quelle misère, mais quelle misère, mes aïeux! Je vais passer toutes mes orbes. Il va me faire mal. Ah, c'était pas fini. Nero, it's my son. Yeah, dumbass. You can't remember through that thick skull of yours? Well, well. That was a long time ago. I guess you were young once too. As much as I'd love to hear that story, I think it's about time we ended this.
Oui, on tape pas sur les mômes. Ben oui, tout le monde a compris ce qui vient de se passer. Alors, je suis désolé, parce que je suis plus vraiment dans le game, vu que j'ai plein de choses qui interfèrent autour. Mais comptez sur moi pour refaire le jeu et le passer en mode méchant quand même. Et m'en sortir un petit peu plus honorablement que sur ce stream. Mais bon, apparemment, ça sent la fin, donc ça va commencer à vraiment tataner très fort. Ends right here. Listen to me. I told you already. This is not your. You listen, Deadweight. I won't let you kill each other. There are other ways of settling your differences. I'm putting a stop to this sibling rivalry. You came all this way just for that. Virgil. V. Whatever you call yourself. Dante's not gonna die here. And neither are you. Do you have a problem with that? Not gonna die my ass. Oh, that bitch slap nearly killed me. If I beat Nero, then by default, I beat you. Agreed, Dante? Whatever. I don't really care. I'm just gonna sit this one out. When this is over, I'll make you submit. Father. This has nothing to do with you. Stand down. Nothing to do with me. It has everything to do with me. The fuck you!
Aïe. On va se le finir quand même, dis donc. Son's arm for more power, and you still lost. Enough, damn it! The underworld is taking over. We need to do something before it's too late. He's right. We need to close that portal. Hey, you lost, so you better do what he says. I can still fight. But if those roots continue to spread through town, it'll just interfere with our business. Now, that's the smartest thing I've ever heard you say. Better hurry up. We still got a score to settle. Evidently. Wait! Where are you going? We need to sever the Clyphod roots from the underworld itself. Then we'll seal the portal with a Yamato. Hang on. If you do that, you can't come back. Why do you think I'm going? Somebody's gotta keep an eye on your old man. You can't just expect me to stay here while you both go in. It's because you're here, we can go. We're trusting you with things on this side. Capiche? Make haste, Dante. Yeah, I know. Hey, wait! Take care, Nero. Adios. I won't lose next time. Hold on to that until then. Ça ne s'arrête jamais. Oui, c'est ça, les histoires de famille en général, c'est le bordel. Surtout quand les cousins s'en mêlent après. Mais bon, là, je spoil peut-être un peu loin. Pour l'instant, c'est les histoires de frangins et de descendance. Et ça suffit pour se mettre sur la gueule, si c'est pas formidable. I'm still in freaking shock. About what? Duh. Your arm? Who the hell grows an arm back? It's just weird. It's like a lizard tail or something. Look, I don't know. It just grew. I mean, are you kidding me? Lots of weird stuff happened. There were demons and scary plant roots. And arms growing back. Lots of stuff. Do you know how much love and care I put in that devil breaker? Nope. This arm? It's nice.
So, how's it feel? How's what feel? Saving the man who killed your own father. Heard Dante killed Virgil once. It doesn't matter. They're both gone now anyway. It's okay to cry. If you want, Nero, over a loss. Not cry. It doesn't make you a cry, baby. It does make you a little bitch, though. There it is. You think I'm a demon? I didn't cry when my asshole daddy died. But... yeah, I know. I wouldn't be here without him, that's a biological fact. Right. All I'm saying is, tough guy, it's okay to cry if you want. Devils cry. Devils cry. I'm not gonna cry. Devils cry. Will you shut up? But will you stop? Look at you. You're nobody. Why don't you cry on my shoulder? Stop saying cry. Cry on my shoulder. I know you wanna. You say cry again. Devil may cry. Fuck. You said it. Hey, Kitty. Yeah, I'm coming home. Oh, yeah, I don't want to spoil it, but I got a surprise for you. Oh, yeah, he's got a huge surprise. You shut up! No, QDA, not you. Nico, you know, and her big mouth. What the hell's your problem? Where'd you learn to drive? Hey, sorry, I gotta call you later. It's time to get back to work. Got an arm. You good? It's a prototype, and this is the perfect place to test it out. Look, you're gonna use it, and it's a work of art. Gotcha. And it ain't complete without you. Well, how sweet. Feels good. You'll get fixed as soon as we get back. So, devil's cry, huh? Let's see what that sounds like! Alors j'allais faire les commentaires de fin, pour ça que j'ai baissé le son. Et je m'attendais pas à ce qu'on m'amuse. Mais bon, je peux faire les commentaires en même temps du coup. Ce Devil May Cry 5, est-ce que c'est une réussite? Oui. Bah c'est beau, ça tourne sur nos machines, c'est... Bah moi-même je suis surpris, hein. Je vous rappelle quand même que je suis sur un non type Windows 7. Et ça tourne du feu de Dieu pour peu qu'on booste pas trop la résolution. Donc c'est vraiment du bonheur. Est-ce que c'est bien au niveau de l'histoire? Bon, l'histoire dans ce jeu-là, hein, quand même, c'est secondaire. Mais ça reste toujours aussi théâtral. Il y a des côtés opéra un petit peu modernes. Et donc du coup ça reste fun, puisqu'il y a une mise en scène qui est la grande tragédie Devil May Cry. Et puis il faut l'avouer, les scènes intermédiaires sont pas dégueu.
Alors après, niveau gameplay... That's right. I'm more than capable of handling this on my own. You're gonna need some help. And someone to keep an eye on you. Et donc je disais, niveau gameplay, bah c'est intéressant. Parce que du coup, le jeu se permet d'apporter des nouveautés alors qu'on se disait que bah ça avait atteint le bout depuis le temps. Donc il y a des tas de trucs rigolos, et d'ailleurs je vais ressortir ma moto pour ça quoi, parce que c'est quand même une boucherie cette moto. Elle me fait rire, elle me fait mourir. Voilà, ça c'est quand même le truc. Je le caresse par-dessus, c'est une nouvelle technique. Des petites caresses avant de faire des méchancetés. Quoi, c'est l'orgie quand même. Donc c'est super jouable, c'est accessible. C'est pas un jeu qui demande des super skills. Par contre, si vous voulez faire le jeu sans déconner, genre bah déjà le finir sans vous taper un continue par exemple, c'est un bon challenge déjà pour commencer. Et ensuite aller essayer de taquiner en RS à tous les niveaux, bah il y a de quoi faire. Oula, ma caméra. J'avais pas fini. Donc du coup le gameplay est vachement étendu. Et vu qu'on vit l'histoire sous les trois différents angles des trois différents personnages, bah il y a de quoi faire. Et puis du coup on découvre, chacun ayant ses nouveautés en plus, certains étant nouveaux, il y a une combinaison de trucs quand même à faire qui fait que bah vous savez ce qui va se passer. Moi je vais refaire le jeu là. Et je vais essayer de me le refaire sans continue, en essayant de taquiner le rond S tout le long. Ce qui n'est pas gagné sur, après le chapitre 12, on va dire, ou 15. Et du coup, je vais prendre le personnage que j'aime et essayer de le garder tout le long, si c'est possible. D'ailleurs, je pense que si on fait un second run, c'est ce que les développeurs ont dû prévoir. Vu la qualité du soft, oui, beaucoup de compliments, mais ça les vaut. Hein. Donc, total plaisir, un Devil May Cry qui tourne aux petits oignons, que ce soit sur une console ou sur un PC. Un jeu réalisé super bien malgré le début qui était bizarrement engagé, vous avez vu, je vous invite à revoir les premiers streams, j'étais pas convaincu quoi. Je sentais plus le truc bateau avec l'amélioration par rapport aux capacités des nouvelles machines que le jeu avec réellement du créatif et du nouveau qui éclate. Vous avez bien vu, à partir du quatrième stream, j'ai commencé à me faire plaisir. Et j'avais pas besoin de commenter. Donc oui, si vous aimez la baston, l'action, même si ça vous fait un petit peu peur, puisque je vous rappelle quand même que DMC, c'est un titre qui demande à aller à la tatane. On fait pas trop dans l'esquive, on fait surtout dans le contact. Faut y aller. Bah, foncez dans ce jeu. Il est vraiment bien foutu et il a mérité le succès qu'il a eu à sa sortie. Et il le méritera encore demain, je pense. Je vous laisse avec le générique à la fin. N'oubliez pas les playlists et le bouton d'abonnement, bordé. Non, vous n'y échapperez pas un jour, vous céderez, vous vous abonnerez. Je vous l'ai dit en vérité. À bientôt.